Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue dans la cuisine de Maggie officielle. Bienvenue à toutes les mamans. Aujourd'hui, je dédie ma cuisine à toutes les mamans du monde. Bonne fête à toutes les mamans, à toutes les mamans qui aiment leur famille, qui aiment leurs enfants. Bonne fête à nous, les mamans de Proverbes 31. Il y a le pasteur de la fosse qui conseille les mamans là-bas, les bitécoutés, la propriété, tout ça. Et moi, je vous invite aujourd'hui, fête des mamans, on va cuisiner les poissons. Les poissons pour nous donner encore de l'intelligence, pour encore notre cerveau puisse bien réfléchir. Parce que les poissons, c'est bien pour les cerveaux. Regardez, je l'ai bien nettoyé depuis ce matin. Je l'ai assaisonné avec un peu de bouillon. Voilà, notre poisson est propre à l'intérieur. Et là, j'ai les dorades. Là, j'ai les sols. Excusez-moi, hein, il y a les lombres qui me prend aussi. Là, j'ai le poisson sol. Aujourd'hui, il faut manger vraiment des poissons. On a des poissons là, les sols et là. C'est bien nettoyé, voilà, bien assaisonné. Avec les bouillons. Les bouillons là, voilà. Bien assaisonné, les poissons là. Aujourd'hui, les poissons, voilà, et puis il y a des asperges, je vous ai montré tout à l'heure, voilà, les asperges. Et là, pour assaisonner notre poisson, j'ai de l'ail, oignon rouge, piment vert, il y a le gingembre, il y a le poivron jaune, il y a de la céleri, je l'ai pris dans mon jardin. Voilà, ça c'est l'assaisonnement pour les poissons. Et là, j'ai le paprika, piment d'Espelette, hein? Piment poussière, comme disent nous les Congolais, piment poussière, piment d'Espelette, comme disent les Français. Et j'ai le bouillon et j'ai les fines herbes. Et là, j'ai oignon en feuille, je l'ai sorti du congélateur. Et là, j'ai des champignons. Let's go pour notre cuisine d'aujourd'hui. Voilà, je vous montre encore. Il y a l'ail, oignon rouge, piment vert, piment rouge, gingembre, oignon jaune, poivron jaune, il y a oignon en feuille, il y a les fines herbes, il y a les paprikas, il y a les piments poussières, donc il y a les piments d'Espelette. On a notre poisson là, les dorades. On a notre poisson là, comment on appelle ça, les sols. Je pense que sol, hein. Et on a des asperges. Let's go. Là, c'est pas ça de la fois qui parle. Un détail. Habite sur la mato, il n'a pas bien attiré du coton. Bah, les jette pas sur la mato, il peut aller. Maman, restez propre. C'est la fête des mamans. Merci. Là, je vous montre comment je fais les champignons. Donc là, j'ai déjà fait. Tous ces champignons-là, je les ai pris au marché 2 euros. Tous ces champignons-là, je les ai pris au marché 2 euros. Et les champignons, ça se fait comme ça. Ça se prépare comme ça pour enlever la peau. Vous voyez, c'est comme ça, j'enlève la peau. Il y a mon passé de la foi qui est en train de prêcher. Voilà. Comme ça. Tu prends, tu enlèves le bout. Voilà, et puis... J'enlève la peau. Comme ça. J'enlève la peau comme ça. Let's go. Voilà. Les bouca cuisine des magies officielles. Les bouca des magies azobuka. Oh, ça fait du bien d'avoir un jardin. Voilà. Et les céleri pour mettre dans notre poisson.
Là, je fais les asperges. Les asperges là. Tu coupes. Voilà, c'est dur, hein? Mais tu coupes. Là où ça sera trop mou, après tu enlèves la peau. Ça, c'est les asperges que je suis tentée de faire. Là, c'est des conseils des pasteurs de la foi. Voilà. Les asperges, ça se fait comme ça. Ouh, c'est tombé. Tu enlèves les parties les plus dures. Voilà. Et puis, tu enlèves la peau. Hein, sinon, ça sera trop amer. Voilà. Et ainsi de suite. Ce que j'ai déjà fait, c'est ça. Ça, j'ai déjà fait. Et ça, ce n'est pas encore fait. Je continue. Et ça, c'est déjà fait aussi. Et nos poissons aussi, ça a déjà fait. À tout à l'heure. Là, j'ai mixé... poivron jaune, oignon en feuilles, oignon rouge, l'ail, gingembre, piment rouge, donc piment fort, piment rouge fort, oignon rouge ou oignon violet, oignon rouge, poivron jaune, oignon en feuilles, c'est ça que j'ai mixé là, vous voyez. C'est ça que j'ai mixé ici. Donc là, on va incorporer. Ça, c'est le beurre, hein? Beurre fondu. Je mets dedans. Et je prends les bouillons. Voilà. Je mets, si vous ne voulez pas les bouillons, vous mettez du sel. Moi, avec cette recette-là, je préfère mettre du bouillon. Je mets les sirops de magie. Voilà. Et là, j'ai les fines herbes. Les fines herbes, les paprikas et les piments de poussière, piments de squelette. Voilà. Les Congolais disent piments de poussière. Je mets tout ensemble. Je vais mélanger et je vais incorporer sur le poisson dorade et sur le poisson. Voilà, vous connaissez les noms, hein? Bonne fête les mamans encore! Abonnez-vous massivement dans la cuisine des Maggie officielles et partagez les vidéos pour bien manger, pour garder la taille, la forme, l'énergie. Et bon appétit! À tout à l'heure! Là, j'ajoute encore un peu de l'huile dans notre mélange. Et je vais mélanger. J'ai mis des gants pour ça, hein? Voilà les mélanges. Voilà. Il faut goûter, hein. N'hésitez pas à goûter. Là, vraiment, c'est très bon la sauce. J'ai goûté. Voilà. Je rince les mains. Voilà. Et là, je vais prendre les poissons. Je prends les poissons. J'assaisonne comme ça. Voilà. Je mets de côté. Je commence par les sols. Hein. Voilà comment je fais. Donc, n'hésitez pas à mettre des gants. Si vous n'avez pas des gants, faites avec votre main. Moi, comme je mets des piments, donc je ne vais pas mettre mes mains dessus. Vous connaissez les piments, hein? Les piments, ça part pas. Il y a les piments, il y a les gingembre dedans, vous savez bien. Si ça part pas tout de suite, vous touchez hein, les yeux, tout, ça pique très fort. Donc là, j'ai fait les sols et je vais faire ça pour vous montrer. Après, je vais continuer sans les caméras. Donc c'est facile, juste on assaisonne notre poisson comme ça. Donc il y a beaucoup de manières, vous voyez dans les vidéos précédentes. J'avais assaisonné, mais pas comme ça non plus. Là, je ferme un peu pour mettre derrière.
J'avais mis des traits dans les poissons. Voilà, je le fais rentrer dans les traits aussi. Il y a des traits. Voilà. Et je vais mettre aussi des côtés. Ainsi de suite. À tout à l'heure, les mamans. Voilà notre poisson bien assaisonné. Et là, on se prépare pour mettre au four. Voilà. Bien assaisonner notre poisson. Tout ça au marché des Noisiel à 10 euros. Vous allez à la fin du marché à Noisiel, vous allez trouver les sols, c'est à 5 euros. Tous ces sols là à 5 euros et les dorades là aussi, il y en a trois des grosses à 5 euros. Donc l'ensemble là, 10 euros pour nourrir toute la famille. Voilà. Notre poisson est bien assaisonné là. Je vais le mettre maintenant dans les plateaux pour mettre au four. Voilà, j'ai tout mis dans les plateaux, les dorades, le sol, tout ça. Là, je vais mettre au four à 220 pour 30 minutes, mais à surveiller, hein, si 30 minutes est insuffisant, vous ajoutez encore. On est des mamans, on sait comment faire cuire, juste l'assaisonnement que nous devons apprendre. Vraiment, on s'amuse vraiment dans la cuisine des magies officielles. À tout à l'heure. Au four à 160 parce que je ne veux pas que ça cuit, je mets à 160 pour que ça cuit tout doucement, donc je le mets à 160. De l'eau bouillante, j'ajoute du sel, voilà, et là je vais mettre les asperges. En surveillant, je vais les laisser cuire au moins 10 minutes en surveillant. Alors là je laisse 10 minutes. J'ai chauffé l'huile et maintenant je vais mettre tous les champignons dans toute petite huile. Les champignons frais, on va tourner de temps en temps. Je laisse comme ça pour à peu près 6 minutes. Les asperges sont finies. Je vais enlever et sauver et je les mets dans l'eau froide. Pour que ça ne continue pas de bouillir, ça c'est de la glaçon. Je le mets dans l'eau froide pour que ça ne continue pas à tourner. Et là, je vais augmenter le feu à 200 degrés. Voilà. 10 minutes après 160, je vais augmenter à 200 degrés pour 20 minutes. 6 minutes plus tard, j'ajoute un peu de sel et je me laisse cuire encore 4 minutes. C'est la sauce pour les asperges et pour les champignons. De l'oignon blanc et l'ail et l'oignon taille et piment vert. Le reste de l'assaisonnement des poissons. Je vais les mélanger toutes pour faire ma sauce. L'huile est bien chaude, donc je mets les mélanges dedans. Je vais enlever le piment, hein, sinon ça ne va pas du tout. Je vais laisser mes oignons 2 à 3 minutes. Ça, c'est le morceau de gingembre. Je ne peux pas bien me changer dans mon appareil, là, maintenant. Je vais laisser mes oignons 2 minutes. Et là, les champignons, je vais bien enlever de l'eau de champignons. C'est des champignons frais du marché. Tout ça, je l'ai acheté à 2 euros au marché. Voilà. Et les asperges sont déjà aussi au sol. Il y a les oignons, là, on va mettre tout ça et on peut le faire. Là, je vais récupérer le jus dans les poissons parce qu'il y en a plein là. Je récupère le jus. Voilà. Pour laisser librement place au poisson de bien cuire. Je récupère le jus. Voilà. Allez, on va les remettre au four. Voilà. Les oignons bien cuits. J'ajoute les asperges et les champignons et les piments. Je ne voulais pas ajouter le lot de champignons, ça je vais jeter. Voilà.
Et on va les laisser comme ça pendant 6 minutes. Et là, le jus de poisson, comme les asperges sont cuits, les champignons se sont cuits, j'ajoute le jus de poisson dedans. Donc, n'hésitez pas à récupérer le jus de poisson. Et là, je vais laisser cuire au moins 10 minutes au feu doux. 10 minutes. Voilà, je vais bien les tourner pour que ça mélange bien avec les oignons. Pour que les vrais goûts entrent dans les asperges et les champignons. Bien, bien, bien les mélanger. Là, le poisson est bien, bien, bien cuit. Je suis avec les fourchettes comme ça. Voilà, le poisson est très bien, bien, bien cuit. Juste avec les fourchettes. Regardez comment. Merci, Tessie Cardinal. Merci. On dédie cette chanson à toutes les mamans. Bonne fête des mamans. Bana baninga pe ayo bana. Regardez cette sauce. Asperges et champignons, toi. Tu as déjà mangé ça? C'est vrai que dans la cuisine de Maggie officielle, abonnez-vous massivement les mamans. Voilà, avec la sauce du poisson. Oh mon Dieu, ça, c'est lekker, comme dit le Hollandais. Hein? C'est lekker. Abonnez-vous massivement dans la cuisine de Maggie officielle. Et là, je fais un peu de riz parce que moi, la chinoise, je fais un peu de riz. La chinoise, elle aime trop de riz. Voilà. Les riz, quand vous faites les riz, vous nettoyez bien, vous mettez dans les casseroles, vous mettez sur votre réchaud, il y a des minutes, vous mettez à 4 et vous mettez 30 minutes, ça va commencer à cuire tout doucement dessus. Là, on a fini, on va mettre notre assiette. Je fais l'assiette là, il y a les poissons, il faut que je coupe là. Je mets les dorades. Là, je vais prendre le sol. Je vais prendre celui-là. Je vous montre juste comment on peut placer notre assiette. Voilà. Je viens là. Je prends les asperges. Et je prends le champignon. Voilà. Voilà, bonne fête des mamans. Il faut vraiment, vraiment manger. Et là, pour te faire plaisir, tu ajoutes un peu de riz à côté. Voilà. Je souhaite bonne fête à toutes les mamans, que Dieu vous bénisse, toujours dans la joie de la bonne mère. Et à Prissy Cardinal, vous pouvez écouter cette chanson des mamans sur YouTube de Prissy Cardinal, je te bénis Prissy. Et là, je vous montre comment vous pouvez faire votre assiette le jour de la fête des mamans. Que Dieu vous bénisse, à bientôt dans la cuisine des Maggie officielle. J'embrasse toutes les mamans du monde et j'embrasse tous les enfants du monde entier. Comme ma fille, elle me l'a dit, elle est la plus belle des filles de la planète. Alors, je bénis ma fille qui a dit ça. Que Dieu vous bénisse tout le monde. À bientôt et abonnez-vous massivement dans la cuisine des Maggie officielle. Bye bye.